Un événement, c'est le festival du Menton et c'est la première fois qu'on le fait dans les grandes scalinates, on dit comme ça. Et moi, j'espère que ça va être une grande chose pour l'avenir aussi. Pour vous, le festival du Menton, c'est aussi un moment de détente? De détente, oui, parce que je peux me promener comme en ce moment, par exemple, mais une détente nerveuse, disons. Parce qu'il y a bien sûr le trac et surtout la nervosité de savoir si toutes les choses iront bien, si avec l'orchestre, le chef, la voix. C'est une fin de choses. Et après, c'est la rencontre aussi avec ma fille, qu'elle a été pendant 2 mois à la Scala à Milan pour l'hommage à Leonard Bernstein qu'on a fait avec West Side Story. Et je suis allée à la première elle, dans le rôle de protagoniste de Marie. Elle a eu un grand succès. Et depuis ça, elle est arrivée il y a 3 jours. Et nous sommes arrivés ici. Et c'est la rencontre depuis longtemps avec elle. Alors moi, je suis vraiment ravie de pouvoir chanter à Menton avec elle. Et on espère d'offrir un spectaculaire concert. Merci. Alors vous avez une voix reconnue dans le monde, il faut travailler cette voix, c'est un don. Il faut travailler surtout la technique respiratoire. Les enfants, quand ils viennent au monde, cette cri tellement heureux et en même temps tellement forte, il a, disons, la respiration qu'il faut faire pour le faire, non? Et c'est une respiration abdominale, pas dans la part haut du corps humain. Et alors, c'est ça qu'on doit respecter la première fois qu'on fait, n'est-ce pas? Alors, il faut ça beaucoup éduquer pour pouvoir servir de basis à la sonorité. C'est comme l'architecture du son. Ça lui donne pas une force, mais un support. Une basis, oui. Et avec ça, on peut bien sûr tout faire qu'on aime et essayer d'avoir une bonne technique. Et la bonne technique, c'est seulement de bien respirer. Le vent, c'est une chose très dangereuse. Dans un jour comme aujourd'hui, par exemple, avec beaucoup de vent, je ne serai pas avec vous. Mais aujourd'hui, vous savez, il n'y a pas de vent. On a beaucoup de chance alors. Vous êtes très attachée à la Méditerranée, j'ai l'impression. Bien sûr, je suis une fille de la Méditerranée. Et je crois que tout le monde qui est né dans la conca, on dit, à Barcelone, du Méditerranée, nous sommes un peu familiers tous. Les grandes chanteuses, les grands ténors, Caballé, c'est une organisation familiale. J'ai eu la chance d'avoir mon frère, premièrement comme secrétaire, et depuis, comme un grand amateur de musique et ça qu'on appelle un kingmaker. Et il a fait le management de ma carrière, toute ma carrière. Et quand j'ai connu mon mari, il était chanteur, alors on s'est mariés. Ma fille, elle chante, elle aime la musique. Alors, oui, c'est si vous voulez dire, une chose familiale, bien sûr, parce qu'on aime la musique tous tellement. Vous
S'il y a une chose que vous ne feriez plus maintenant, ce serait laquelle? Si c'était à refaire. Si c'était à refaire, peut-être, je dirais moins non au voyage de ma mission comme ambassadeur de bonne volonté. Parce que quelquefois, je n'ai pas le temps de pouvoir le faire. Vous aimeriez donner plus de temps à l'humanitaire? Bien sûr, bien sûr. Ça vous manque? Ça ne me manque pas parce que j'en donne chaque mois beaucoup, mais c'est jamais assez. Jamais assez.